Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Je vais effectuer le tag d'août de la Vie Diamond Painting, qui est la créatrice de ces tags mensuels. Et du coup, je les ai jamais faits. Et je me suis dit, j'ai vu plein de copinettes le faire. Du coup, je me suis dit, on est encore au mois d'août parce qu'on est le 29. Donc je pense que certainement je vais vous la publier tout de suite aujourd'hui quand j'aurai fini le tag. Comme ça, je suis dans les temps. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis en train de péter une rivière. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé sur cette toile. Mais bon, du coup, on le fait tout de suite, hein, ça sera fait. C'est galère. Mais il doit y avoir un autre système parce que parfois les diamants quand même remontent. Donc je ne sais pas si je fais bien ou pas. Mais bon, en attendant, on va faire comme ça. De toute façon, cette toile-là, je l'aime pas. Donc un peu plus ou un peu moins, c'est pas dérangeant. Voilà. Allez, donc on va travailler pour ce petit tag avec ce super stylet que ma bichette qui a sa chaîne, ma bichette Céline qui a sa chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui m'a fait la magnifique surprise de me le faire cadeau. Voilà, elle l'avait eu chez ses plus beaux atours. Et j'étais tombée amoureuse de ce stylet. Et à chaque fois que Nicolas, sur Facebook, faisait les publications, il n'y était plus celui-là. Il ne me le fait plus. Et du coup, elle m'avait envoyé un petit colis, Céline, qui n'avait rien à... Enfin, c'était un petit truc. Et du coup, j'ai eu l'heureuse surprise de trouver le stylet dedans. Voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ce superbe cadeau. J'ai la pince de notre amie Alison 3D Art Ariel, voilà, entre les mains. Je mets toujours le petit squishy, moi, quand même. Et j'ai toujours une petite pince quand même normale. Et là, je vais travailler avec la petite barquette comme ça, simple, parce qu'en fait, mes diamants pour cette toile sont rangés dans des piluliers. Voilà. Et du coup, les gros plateaux que... Enfin, les gros plateaux, non. J'ai des petits, ne serait-ce que comme, voilà. Celui-ci que j'ai de chez Alison. Mais ça reste quand même l'embout, en fait, trop gros par rapport au pilulier. Donc, c'est pour ça que je prends les petites barquettes avec verseur assez fin. Allez, on va arrêter de papoter. On va déjà prendre une première couleur. Allez, le haut. Hop, je peux en avoir assez. Et on va quand même commencer le tag, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça suffit de blablater dans le vide. Alors, première question. Mac ou PC? Ça va être du rapide parce que je n'ai pas d'ordinateur. Voilà. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Deuxième question. Android ou Apple? Je suis Apple. Je suis Apple depuis quelques années maintenant, mais c'est tout simplement parce qu'avant j'étais Android. Et en fait, ma fille m'avait fait cadeau d'un Apple. Donc c'est pour ça que je suis devenue Apple. J'avais une tablette Android, mais au moment où elle a rendu l'âme, du coup j'ai pris Apple, hein, tant qu'à faire pour être connectée avec tout le reste. Donc c'est pour ça que je suis devenue Apple, mais je n'ai aucune. J'ai pas d'a priori du tout sur Android, quoi. Voilà, demain je dois repasser à Android, je repasserai à Android. Ça ne me dérangerait pas du tout. Voilà, ensuite, question numéro 3. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, j'en ai deux. J'ai le printemps, parce qu'on commence à avoir de belles journées sans avoir 40 degrés, n'est-ce pas? Et j'aime l'automne parce que il fait quand même doux sans avoir très froid comme l'hiver. Voilà. Donc j'aime le printemps et l'automne. Voilà.
Ensuite, 4, tu mesures combien? Je mesure 1m68. Voilà, je ne suis pas très grande, pas trop petite. Je me trouve plus ou moins normale, quoi. Voilà. 1m68. Je fais une parenthèse, mais c'est sympa ces petits tags. Je ne les ai jamais fait jusqu'à présent. Je les ai souvent vus sur la chaîne de toujours Céline. Voilà, qui elle les fait. Elle n'avait pas fait celui de juillet. Je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé. Qui apparemment était un petit peu trop personnel. Donc elle n'avait pas voulu le faire. Moi après je n'ai pas regardé. Je vous dis, le premier que je fais, c'est celui-là. Donc après, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop se dévoiler sur YouTube, quoi. Ça reste du virtuel, ça reste où il y a des gens méchants. Donc je peux comprendre qu'on souhaite pas divulguer des affaires. Enfin ouais, des affaires personnelles, quoi. Attendez, je cherche quand même une couleur. Il y en a quand même un peu plus pour pouvoir s'arrêter toutes les deux secondes. Voilà. Puis alors, ils sont électrostatiques, donc je vous dis pas. Voilà. Donc, ensuite... donc oui, mais c'était l'idée de... Je crois que c'est Dani qui a la chaîne La Vie Diamond Painting. C'est une super idée qu'elle a eue. Et de toute façon, toutes les chaînes citées dans ce tag, je vous les mettrai en barre d'infos, enfin en barre de description, barre d'infos, comprenez quoi. Ensuite, as-tu des piercings? Non, je n'ai pas de piercing, je ne suis pas trouée, j'ai les oreilles percées, mais ça fait des lustres que je... pardon, que je n'ai pas mis de boucle d'oreille. Mes piercings, non, je n'en ai pas. Donc du coup, la question d'après le piercing, c'est es-tu tatoué? Alors oui, j'en ai deux. J'en ai un au niveau du cou, c'est une petite... Enfin derrière le cou, au niveau de la nuque, c'est une petite salamandre. Et au niveau du cou de là, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Vous le voyez là, vous ne le voyez pas. Non, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, là. Voilà, c'est des étoiles. Je suis fan des étoiles. Donc, j'ai deux petits tatouages. Voilà. C'est en fait le deuxième. Pourquoi j'ai fait celui au poignet? Parce que le premier, c'était la salamandre. Et en fait, j'ai fait le deuxième parce que j'étais frustrée de ne pas voir la salamandre, en fait. Mais ça fait longtemps que je voulais me faire tatouer, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Mais je m'étais toujours dit que si un jour je passais le cap, je voulais une salamandre dans la nuque. Donc ça, c'était sûr que je n'allais pas changer d'avis là-dessus. Mais du coup, la frustration qui soit derrière et que je ne le vois pas, eh ben, je me suis fait celui au poignet. Voilà, vous savez tout. Ensuite, as-tu déjà gagné un concours? Alors oui, j'en ai gagné un. Par Angélique de Ma Vie Normale qui fait ses concours sur Instagram. Donc j'ai gagné une fois chez elle. J'ai gagné un marque-page sur la chaîne de Letty d'Epéfolies, ma petite Laetitia. Voilà. Et j'ai également gagné une toile. C'était une Oraloa. C'était Dompteuse de Lyon sur la chaîne de Zaz. Voilà les petits concours que j'ai gagnés. Je crois que c'est ouais, Angélique, Letty, Isa et je crois que... Excusez-moi si j'en ai gagné un autre et que ma mémoire de poisson rouge me fait défaut. Mais il me semble que c'est ouais, ces trois-là. Ouais. Bah, écoutez, je suis désolée si j'oublie quelqu'un et qui se manifeste en commentaire si au cas où j'ai oublié un de ces concours gagnés. Mais là, comme ça, je vois ces trois-là. Voilà. Ensuite, hop, allez. Vanille, caramel ou chocolat? Bon, j'ai vu les copinettes, elles sont toutes parties sur les parfums de glace. Alors, si c'est sur les parfums de glace, je mettrai quand même en premier vanille. Mais en deuxième, quand même, chocolat aussi. Hein. C'est dur de choisir d'un des deux. Caramel, non. Je ne suis pas caramel du tout, à part dans les glaces du fast-food, là, les sundaes.
Mais sinon, non, je ne suis pas trop caramel. Voilà. Donc je dirais vanille en premier, mais je dis quand même mon petit chocolat. Voilà. Hop. Alors, ensuite, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur, pardon, sur les réseaux sociaux? Alors oui, j'en ai rencontré pas mal. J'ai rencontré ma petite Gwenaëlle qui a sa chaîne Minimeu Diamond Painting. On s'est rencontrés l'année dernière, donc en vrai. Ensuite, j'ai rencontré ma petite Charlotte d'amour avec ses petits loulous, voilà, qui a sa chaîne Charlotte Diamante. Et c'est Charlotte, c'est vrai qu'on se voit quand même assez régulièrement parce qu'on habite pas loin l'une de l'autre. Donc du coup, on se voit très souvent avec ma petite Chacha. Je te fais de gros bisous, ma Chacha. Tu passeras par là, je le sais. Ensuite, j'ai rencontré Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Ensuite, non, j'aimerais, et je pense que ça va se faire assez rapidement, rencontrer deux personnes. Il y a ma petite Pauline qui a sa chaîne Mamzelle et ses loisirs, qui du fait de son travail va venir vers chez moi assez souvent. Je ne sais pas trop encore, mais bon, plus souvent que ce qu'elle ne, ce qu'elle pouvait faire avant en déplacement. Donc, il faut absolument qu'on trouve le moyen de se rencontrer à cette occasion-là. Voilà. Et il y a bien évidemment ma petite Céline que je vous bassine avec très souvent. Enfin, sur beaucoup de vidéos. Céline, en fait, c'est un réel coup de cœur comme j'avais pu avoir pour Pauline. Justement, il y a des fois, il y a des personnes comme ça ne s'explique pas. Et puis alors moi, c'est ou ça passe pas. Quand ça passe pas du tout. Et quand ça passe, je suis à 10 000%. Et du coup, Céline, c'est un gros coup de cœur. Donc ça passe à 10 000%. Et on a hâte toutes les deux de se rencontrer. Donc il y a de fortes chances que dès là, les premières vacances scolaires, on arrive. Elle aussi, elle veut descendre pour rencontrer Charlotte aussi, du coup, en même temps. Donc, Céline descendra et moi aussi, je monterai chez elle. Voilà, puisque j'ai envie de rencontrer toute sa petite famille, là, que j'entends ou que je vois par Messenger, vidéo et tout ça, parce qu'on s'appelle enfin, au minimum une fois par semaine en vidéo. Donc, j'ai envie de rencontrer tout ce petit monde-là. Voilà, ma petite Céline. Donc, hein, le message est passé, mais tu le sais de toute façon. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'ai dit Charlotte, j'ai dit Gwen. Ouais, non, je crois que là, je n'ai oublié personne. Voilà. Ensuite, as-tu le vertige? Non, je n'ai pas le vertige. Enfin, je ne pense pas avoir le vertige. Comment? Je peux être comment? Pas sur, enfin si surprise ou voilà par rapport à quand je me penche et que je suis assez haute, mais je ne suis pas ça s'en est pas à me rendre malade ou avoir peur ou tout ça quoi. Donc je me considère pas avoir le vertige. Voilà. Ensuite. Tu ne peux sortir de la... Oh, mais ce plastique là avec mon bras. Tu ne peux sortir de la maison sans... j'ai envie de dire déjà sans les clés. Parce que quand je travaille, je rentre à une heure où il n'y a pas forcément quelqu'un à la maison. Donc ça sera ennuyeux. Et puis malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est triste d'en être arrivé là. Mais sans mon portable, quoi. Ouais, c'est triste d'en être arrivé à se dire... Quand on sort sans notre portable, on se sent nu, on a vraiment voilà, oublié quelque chose. Et c'est terrible, quoi. Parce que bon, il y a encore quelques années, hein, on s'en passait, on n'en avait pas besoin. Mais au jour d'aujourd'hui, non, au jour d'aujourd'hui n'est pas français, autant pour moi, mais aujourd'hui,
Eh ben non, on s'en passe plus. Voilà. Quand on l'a pas, on en est. Enfin moi, voilà. On en est malade, quoi. Pas bien. Il vous manque quelque chose. Voilà, malheureusement. Et ensuite, que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de comblement? C'est une question délicate parce que chacun a son avis là-dessus. Moi, après, je suis pour la chirurgie quand c'est une question de mal-être. Voilà. Quand c'est une question de mal-être, je suis pour. Je prends même mon exemple, hein. Donc j'ai deux enfants. Et malheureusement, j'avais été attaquée énormément par les vergetures. Et donc, je ne supporte plus mon ventre. Mais plus. Ça veut dire que c'est au point où je ne mets plus de maillot de bain deux pièces, en fait. Voilà, je suis pas très âgée, hein. Je pourrais encore hein, en mettre, mais je n'en mets plus à cause de mon ventre. Donc là, voilà, quand c'est une question de mal-être, je suis d'accord. En revanche, quand je vois des minettes qui ont à peine mais 20 piges et encore, et qui se sont déjà refait, et ci, et ça, et je te fais gonfler les lèvres, et machin, pour ressembler à tel et tel de télé-réalité ou je ne sais quoi. Non, mais non. Là, par contre, je suis contre, mais à 2000% en fait. Arrêtez de vous abîmer, les jeunes. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous allez être dans 20, 30 ans, 40 ans? Mais alors ça, voilà, ça je trouve ça complètement ridicule. Ça, ouais, voilà. Donc voilà ce que je pense de la chirurgie esthétique. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je vais faire comme toutes les copinettes qui ont posé aussi une question pour nos abonnés. Donc moi la question, allez, quelle est votre saison préférée? Voilà. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Je réponds toujours, toujours, toujours. Si parfois je ne réponds pas à un commentaire, déjà je m'en excuse. Et c'est tout simplement ou je n'ai pas eu la notif, ou je ne l'ai pas vu, ou voilà, ça peut arriver. Mais en général, j'essaye de toujours, toujours répondre à vos gentils petits commentaires, les copains. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vais faire le montage tout de suite parce que j'ai nommé beaucoup de personnes, hein. Il faut que je mette tout en barre de description. Je tenais également à remercier tous mes nouveaux abonnés. Voilà, j'en ai quelques-uns. Eh bien ça me fait très plaisir. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!